Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette édition de Un jour, un pari, votre nouvelle rubrique Turf FR. Ce vendredi 11 mars, direction le plateau de Soisy avec la réouverture de l'hippodrome d'Enghien. Les trotteurs donc à l'honneur en réunion avec cette réunion qui se disputera en nocturne. Pour vous, je me suis intéressé à la deuxième course du programme, une épreuve au trot monté avec des concurrents de classe. Ils seront 10 au départ sur 2875 mètres et j'ai retenu le numéro 6, Vaprio. C'est un cheval qui s'est révélé au trot monté cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Il reste sur une quatrième place derrière des chevaux comme Freeman de Well, comme Grand Vilesse Bleu qui vient de s'imposer au niveau groupe 1. Enfin bref, une épreuve de groupe avec de très très bons chevaux au départ. Il battait notamment Étoile de Bruyère qui a terminé troisième du prix de Cornulier durant cet hiver à Vincennes. Donc vraiment un plateau de grande qualité. Là, il redescend de plusieurs étages. Il y aura sur sa route un certain Fulton, un protégé de Jean-Michel Bazire, qui a fait feu de tout bois cet hiver. Il a couru tout de même 9 fois. Il s'est imposé à plusieurs reprises. Il a quasiment tout le temps fait l'arrivée. Maintenant, moi j'ai peur que ce Fulton soit un petit peu fatigué. Il sera ferré des quatre pieds, alors que Vaprio, que je vous conseille, ne le sera pas. Voilà, pour moi, Vaprio, c'est vraiment l'engagement en or. Fulton va prendre tout l'argent. À mon avis, Vaprio sera deuxième favori. Et pour moi, avant le coup, il semble vraiment capable de battre Fulton, vu ce qu'il vient de faire récemment dans le prix de l'Île-de-France, un groupe 1. C'est vraiment pour moi un coup sûr dans les trois premiers. Donc je vous conseille de jouer ce Vaprio dans la deuxième course à Enghien en Réunion 1. Le 206, je vous conseille de le jouer en simple gagnant placé. 3 euros gagnant et 7 euros placé. Voilà pour mon conseil du jour. 3 euros gagnant, 7 euros placé sur le 206 Vaprio en Réunion 1 à Enghien. Vous savez tout, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux à tous et une bonne journée. À bientôt. Bye bye.